Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais te montrer mes derniers achats sur la boutique Elikla in Wonderland. Donc j'ai passé commande le 20 janvier et j'ai reçu ma commande le 25, si je ne dis pas de bêtises, mais toi tu verras cette vidéo que début février. Parce que j'ai d'autres vidéos de programmer, puis je peux pas changer mon programme vidéo. Alors c'est pas grave, c'est comme ça, voilà. Et c'est pas très grave, mieux tard que jamais comme on dit. Ce qui était bizarre, c'est que j'ai reçu un mail le 23 janvier en me disant que mon colis était arrivé. Et quand je suis allée voir dans ma boîte aux lettres, il n'y avait rien du tout. Alors j'ai un petit peu paniqué. Alors j'ai entièrement confiance en Elikla. Donc je savais que c'était pas de leur faute. J'ai dit putain, la poste a encore fait des conneries, ça va me saouler. J'ai été patiente, j'ai attendu. Le lendemain, toujours rien. Donc je commençais à un petit peu plus, encore plus paniquer. Et finalement, le surlendemain, c'était arrivé. Donc voilà. Comme quoi, dans la vie, ça sert à rien de gueuler, il faut juste être patient. Donc en tout j'en ai eu pour 21,46€ avec les frais de port et j'avais bénéficié de 15% grâce au solde. En ce qui concerne les prix, j'essaierai de vous les afficher en bas de l'écran, à gauche, à droite, on s'en fout. Parce que là si je recherche tous les prix, je vais galérer, ça va me prendre trop de temps. Donc principalement dans cette commande, j'ai refait le plein de chaînes et de perles. Parce que je commençais à avoir le stock vide, voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai pu me faire plaisir avec 2-3 petites bricoles en plus. Donc comme d'habitude, on a le droit à des jolis cadeaux de la part de Elikla in Wonderland. Donc je vais commencer par ça, hein. Tant qu'à faire, allez, soyons cool. Toujours avec la jolie petite carte, et je mettrai tous les liens de cette boutique en barre d'infos. Et donc voilà tous les jolis petits cadeaux. Donc ce qui est génial, c'est dans les cadeaux, c'est qu'il y a des choses que j'ai commandées. Donc comme ça, j'en ai en plus. Ça, c'est cool. Dans les cadeaux, j'ai le droit à des petits connecteurs, trop jolis, tout mignons, je crois qu'il y en a 4 si je dis pas de bêtises. Ils sont super sympas. Un joli petit cabochon avec un hibou, il est trop mignon. Hibou ou chouette, hein, qu'importe, moi je sais pas faire la différence, c'est la même chose pour moi. Des petites perles bleues, petites, non, je crois qu'elles font 8 mm celles-là, si je dis pas de conneries. Et des mini estampes feuilles. Donc voilà, en ce qui concerne les petits cadeaux, ils sont superbe, je suis trop contente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais en rupture de stock au niveau de la chaîne et du coup je me suis fait plaisir sur la boutique. Et j'ai repris de la chaîne en gunmetal, le gris anthracite. Donc j'ai pris 5 lots de 2 mètres, donc du coup en tout ça me fait 10 mètres de chaîne en gunmetal. Et j'ai fait exactement la même chose avec de l'argenté. Donc là ce qui est génial, c'est qu'elle m'a mis tout directement dans le même paquet. Alors ça c'est super. Parce qu'en fait à chaque fois j'en achète en plusieurs lots. Et comme pour le goût de métal, d'habitude c'est dans des sachets individuels. Et en fait moi ce que je m'amuse à faire après, c'est à tous les relier les uns aux autres. Et là j'aurais pas besoin de le faire parce qu'elle a déjà fait pour moi. C'est cool ça. Elle m'a donné du boulot en moins à faire. Donc du coup là j'ai 10 mètres de chaîne argentée. Normalement c'est un lot de 2 mètres que j'avais pris 5 paquets, du coup elle m'a mis tout dans un. Ils sont tous attachés en plus. Mais oui, c'est super, j'ai pas besoin de le faire. C'est génial. Je suis une très grande fan des supports cabochons. Moi j'adore ça, les petits camés comme ça. Et du coup là j'en ai pris 5 comme ça, les classiques. Ceux que je me sers le plus souvent, moi je les adore. Il m'en restait encore quelques-uns, mais j'aime bien avoir un bon stock de ça parce que j'y utilise tout le temps. Voilà, du coup j'en ai pris 5 comme ça. Et un autre support cabochon que j'aime beaucoup beaucoup aussi. Je l'adore celui-là, donc c'est pareil, j'en ai pris 5 lots aussi. Mon stock commençait à s'épuiser rapidement, hein, l'air de rien. Du coup j'ai repris des petits anneaux de 4 mm. Donc c'est des anneaux épais. Et là j'ai pris 2 lots de 100 anneaux, je crois qu'il y a 100 anneaux à l'intérieur. Donc j'ai 200 anneaux de 4 mm. Donc ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, je les avais reçus en cadeau, donc ça c'est génial. Et en fait, j'en avais commandé 4 estampes feuilles. Et dedans, il y en a 8 à l'intérieur. Donc 8 x 4, hein, tu sais compter. Plus, enfin non, même 5, 8 x 5, parce que j'en ai reçu en cadeau. On s'en fout, bref, voilà, mes petites feuilles estampes argentées. Je les adore celles-ci, je les utilise très régulièrement et pareil, mon stock commençait à s'épuiser. Donc, je me suis fait plaisir, voilà, gentiment. Ensuite, ça, honnêtement, je me souviens même pas pourquoi j'ai pris ça. Mais c'est pas grave, ça va me servir quand même. C'est un lot de 3 petits muffins, des petites breloques muffins. Je sais plus pourquoi j'ai pris ça, mais c'est pas grave. Ça reviendra quand même. J'ai pris des petits dômes en verre qui font 12 mm. Donc ils étaient vendus à l'unité et j'en ai pris 10.
10 petits dômes en verre de 12 mm. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait le plein en perles, parce que les perles, y a fait certaines couleurs que je n'avais pas et que je voulais avoir, voilà, tout simplement. Bref, même s'il y en a encore que j'ai pas trouvé, j'en cherche des couleurs pêche, couleur pétrole et couleur bordeaux. Et ça, j'arrive pas à en trouver. C'est embêtant. Bref, du coup, voilà ce que j'ai trouvé et j'en suis ravie. Bon, cela, je verrai après. Donc, il y a des petites de 6 mm et des plus grosses de 8 mm. Et dans tous les cas, ils étaient tous au même prix. Dans les petites, il y en a 25 et dans les grosses, il y en a 20. Mais bref, voilà, moi je suis très contente. Donc il y en a des rouges, des violettes, des bleus, des vertes foncées, des oranges, des bleus foncés, des violets, des jaunes et des roses. Rose gold, je crois que c'était marqué sur la boutique. Non, je dis une connerie, c'est pêche rosée. Mais moi je les voyais pas comme ça. En fait, moi je voulais vraiment du pêche quoi. Ça c'est pas encore assez pour moi. Mais elles sont très jolies quand même. Même si j'aime pas le rose, c'est très joli. Alors je suis pas sûre que ma caméra rende exactement les bonnes couleurs, mais c'est pas grave, hein. C'est approximatif. Et toujours dans les perles, eh bien j'ai repris mes petites fleurs lucides. Donc là j'ai pris deux paquets cette fois-ci. J'adore les fleurs lucides, je les kiffe, de la mort qui tue. Et des comme ça j'en avais quasiment plus. Donc bah voilà, j'ai refait le plein entre guillemets. Alors c'est pareil, dans les fleurs lucides, il y a les marrons, j'arrive pas à en trouver, ça n'existe pas. Enfin si, ça existe parce que je crois que j'en ai 5 dans mon stock. Mais j'en ai que 5, moi j'aimerais beaucoup plus. Parce que du coup je les utilise pas parce que après je vais plus en avoir. Et des fleurs lucides marron, j'arrive pas à en trouver, c'est dingue quand même. Bref, on s'en fiche. C'est génial, là, les petites vertes foncées, j'en avais pas beaucoup non plus de ça, donc ça c'est super. Bref, du coup, voilà en ce qui concerne mes perles. J'en ai refait un mini stock, moi je suis contente. Et j'en ai fini avec ma commande sur la boutique Quel Éclat et de Wonderland que je te conseille d'aller voir parce que c'est génial. Tout est superbe là-bas. Donc voilà un petit récapitulatif de ma dernière commande sur la boutique Quel Éclat et de Wonderland. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura donné envie d'aller voir cette boutique. Même de commander, hein. Je sais, c'est pas bien de commander. On n'a pas d'argent en ce moment, c'est la mouise. Mais tout le monde est comme ça. Mais c'est pas grave, ça fait pas de mal de se faire du plaisir de temps en temps, hein. Surtout que la vie est courte, hein. Faut se faire plaisir. Allez, hop. Donc voilà, c'est le moment de couper court à cette vidéo. Donc moi, je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite. Bah oui, très vite, hein. Là, c'est sûr. Dans une prochaine vidéo. Bye!